Là, les gars, ça y est, ça partait bien, plus jamais maigre, on est tous déter. Et là, ça y est, ça commence à m'énerver. Ça fait depuis 15 jours que je suis en diète. Et là, je commence à avoir envie de sucre. Ça me casse les couilles. Désolé pour le gros mot, mais j'étais bien. Pourquoi mon corps est... Pourquoi je suis un gros porc comme ça? Peux pas être comme tout le monde, faire une diète, tenir longtemps. Je dois tenir 21 jours sans faire aucun cheat meal. Et là, on est le 15e jour, mais il reste encore 7 jours et j'ai trop envie de manger de la merde. Du chocolat ou un grec ou je sais pas, mais de la merde. Et quand je suis comme ça là, c'est très 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 dangereux parce que je peux tout niquer en une fraction de seconde. C'est toi qui as voulu, maintenant t'assumes. Hein. Regardez comment c'est dur. Là, on fait un programme. C'est trop trop dur. Parce que là, c'est arrête de réfléchir à l'ego. Ça, c'est la dernière série. Il a fait 3 séries déjà, il doit en faire 15. Là, ça, on appelle cet exercice l'exercice Sergio Ramos. Ouais, là, c'est grave dur. C'est que Sergio Ramos qui l'a fait. Allez. Allez, arrête de réfléchir là. Regardez. En gros, il met une jambe derrière. Et là, il travaille que sur une jambe. Avec 10 kilos, 10 kilos. Allez, 1, 2, voilà. 3, 4. Viens, zoom sa tête, zoom sa tête. 7. Il rejoint le corps des se ferme les yeux. Allez, tiens, allez, encore, encore, encore. Voilà, il est plein. Voilà. Lâche pas. Lâche pas. Ça, quand il lâche comme ça, là, d'un coup, c'est vraiment que c'est une dinguerie. Allez, allez, on est parti. L'autre jambe. L'autre jambe. Voilà, XC. Fais-le ta frère. Tu vas la démarche. T'en penses quoi de cette série? Pendant 3 jours après je pourrais plus marcher. Voilà. Tu l'as fait il y a 2 jours. Après on va arriver. Après on va arriver, je vais dire Younes, viens on sort, il va me dire non, je suis fatigué. Mais je peux pas sortir tes mains, je fais quoi frère? Marche pour voir vite fait. The next day. Quand tu manges équilibré tous les jours, t'as besoin de ces petits moments de plaisir. T'en as besoin parce que manger et s'entraîner comme ça, faut le faire toute la vie. Hein. C'est pas tu fais ça 2 mois, après tu reprends tes habitudes, ça sert à rien ce que t'as fait. Donc moi j'ai mes petits craquages et après on reprend. Donc là on va rejoindre Sofiane et Ramdan pour l'entraînement. Mohamed il est toujours en Italie, la famille. Shlamif, moi je suis toujours à Milan et là je vais carrément au parc. Ça va faire un peu de sport, dips, traction, tout ça. Ça va faire un peu de cardio. Un peu de cardio, un peu de cardio. Allez, Damos. Allez Sofiane, j'essaie de tenir 30 secondes. 30 secondes. C'est bien. Garderie, voilà, quand vous êtes cul, vous faites ça. Regarde, mais moi je te fais des symboles. Comme ça. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Allez, 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 allez. Allez. Voilà, super. C'est bien Sofiane. Encore, c'est bien. Encore. Super. C'est très bien. C'est chaud. Hein. Super Ramdan. Fléchis un peu les jambes Ramdan. Voilà. Comme si c'était en flexi. Comme un, voilà. Là, c'est plus un truc de bourré, mais. Ah, ça me pisse les mains. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, la grosse. T'as 8 repas, ce mahalé. C'est bien. Ouh. Oh, j'ai vu qu'il commence à avoir une veine. Oh, il commence à avoir une veine. Oh là là, les gars. Encore une semaine. Il va me laisser la place. Allez, Sofiane. Oui, ça y est. Est-ce que là, l'orange, il t'a servi à quelque chose, l'orange? Ah, rien du tout. Ça t'a servi à rien, l'orange? J'ai besoin de quelque chose là, faut que j'aille me prendre. On va faire un repas après, t'inquiète, un petit repas. Les séances à jeun là, comme ça, avec un fruit comme ça, c'est trop dur. Mais tu sais que là. Bien filmer la veine, bien filmer la veine. Là, tes énergies, c'est ton gras qui se dépense, comme t'es à jeun. Filme la veine. Oh, les gars, lui, il a déjà la veine, lui. Ah, tu veux tester ton PR là. Ouais, mais d'abord, je vais m'échauffer. Tu vas t'échauffer. Regardez ce fou. Il a mis tout ça. Ça vient pour le téléphone. Ah. On va voir ça en montée de gamme. Les gars, j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît, pour charger. C'est parti. Hein. Genre là-bas? Ouais, je sais pas comment il met les poids. Ouais.
penses quoi, Ramdan, de ça? C'est un fou. C'est un fou. C'est pas le quoi le but dans, de faire dans, ça. Dans un an et demi, tu vas le faire. Va dire que je suis un fou. C'est un fou. Allez, 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 c'est dans la tête. Là, c'est dans les bras que ça se passe. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Let's go! Ça tu l'as passé. Tu l'as passé. Eh, ça, le setup il pue la merde, excuse-moi de vous dire ça. L'amplitude n'était pas. Mais c'est normal, je peux pas descendre plus bas, frère, mes pieds touchent le sol. Ré, il a 3. Tu veux que je fasse quoi? Il a 4 couilles, on peut le comprendre. En vrai, je te valide, en vrai, je te valide. Attends, faut que j'enlève. Oh putain, là, c'est le pire. Frère, je peux pas descendre plus bas, le sol il me touche, je touche le sol, frère. Tu vois? Mais là. Waouh! On dirait ton corps, tu portes rien. T'es où? On reçoit plein de messages avec Yacine sur Insta, Snap en ce moment. Ouais Younes, comment je fais pour perdre du ventre? Comment je fais pour perdre des fesses? Je vous dis les gars. Est-ce que ça fait grossir de manger du riz? Est-ce que ça fait grossir de manger? Oh là là. Là, écoutez bien, c'est la bouffe. Il n'y a pas d'exercice. La bouffe. J'ai déjà essayé de faire du sport le matin, le midi, le soir. Je brûlais 1500 calories. Après le soir, je mangeais tout ce que je voulais. Tu grossis, poteau. Donc là, on va aller faire les courses. On va vous montrer. Parce que le sport. Et vous me dites, non, moi, je vais encore manger des grecs. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. On va aller faire des courses et je vais vous dire ce que vous pouvez acheter, ce que vous pouvez manger. Tout ce qu'il y a derrière moi, les fruits et les légumes, c'est autorisé. Me dites pas, j'aime pas. Il y a bien quand même un fruit ou un légume que vous aimez bien quand même. C'est pas possible. Il y a tout. Il y a des fruits, des légumes. Toi, par exemple, c'est quoi tes fruits préférés? Kiwi, mangue, il y en a plein. Légumes, concombre. Moi je sais, moi j'ai un fruit préféré. Avocat. Les carottes, les pêches, moi j'aime. Voilà, prenez un truc que vous aimez bien et vous prenez. Regardez. On arrive dans les sauces, c'est comment les sauces les gars? Toutes les sauces. Non mais ça c'est interdit. Toutes les sauces sont interdites sauf deux sauces. Vous avez celle-là, regardez bien. Par contre c'est cette marque-là. Heinz, zéro sel ajouté, 70% de moins de sucre. Et la moutarde, c'est autorisé. Ouais, sinon tout ça les gars, c'est mort. Sinon, regardez la moutarde, c'est celle-là. Prends-moi une moutarde s'il te plaît. Moi je prends la moutarde, prends-moi une moutarde s'il te plaît. Laquelle? Mais il n'y en a jamais dans les magasins, ça me peinait. Les boissons interdits, sauf les boissons zéro, vous avez le droit, où il y a vraiment zéro. Vous regardez bien, il y a Coca zéro, Ice Tea zéro, Schweppes zéro, Grenadine zéro, ça c'est impeccable. Tout ce qui est Kellogg's, gâteau, interdit, on prend pas. Et là après dans vos repas, vous avez droit à tout ça, je sais pas si vous aimez les pâtes, le riz, les lasagnes, mangez ce que vous voulez. Et après, là, si ça vous dit « Oh non, c'est trop dur, moi, j'arrive pas, bah, rentrez !» Vous n'êtes pas prêt, alors plus tard, faites du ping-pong ou allez jouer à la play, mais c'est pas, ça marchera pas. Bon, bah, aujourd'hui, c'est cheat meal. On a bien profité, en vrai. Oh là. Ça, c'est vraiment un truc de dingue. Fais-nous un petit croc dans le... Il a l'habitude, lui. Fais-nous un petit croc dans le sandwich pour... Hop, là, il vient de manger 3 séances de sport. C'est pas mal, hein. Moi aussi? Ouais. Alors toi, c'est pire, toi. Oh là 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 là. C'est comment? Ça sent du riz, hein. La famille, on arrive à la fin de la vidéo. Moi, je suis dans ma deuxième séance de sport. Et ouais, on fait des cheat meals, mais on se la tue. Et cheat meal, c'est une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Ne vous dites pas, je suis trop gros, je vais pas réussir, je suis trop faible. Et s'il vous plaît, pas comme ça, pas... Pensez pas comme ça dans votre tête. Tout le monde peut le faire. Là, on est en vacances. Deux mois de charbon. Pas de fast food. Pas de boisson. Pas de sauce. Pas de gâteau. Mangez que du fait maison. Et une fois toutes les deux semaines, vous faites plaisir avec un cheat meal. Soyez des bonhommes, les gars. Vous allez le faire. Vous inquiétez pas. Yacine, il l'a fait. Mon cousin Sofiane, Inch'Allah, il va le faire. Motivez-vous. Vous allez y arriver, les gars. Ok?